Bien, salut tout le monde, c'est Demon Slash. On se retrouve tout simplement aujourd'hui pour un nouvel épisode sur UEBS. Aujourd'hui, de nouveaux combats. Donc, on va prendre de les stags. Je sais pas ce que c'est, ça. On va prendre les. Attendez, on va descendre. Les Godzilla Interfree. Les Battle Droids ici, par exemple. Wolverine, Spider-Man. Attendez. Les Kaiju Godzilla. Ouais, ça va être chaud, ça, par contre. Ouais, ça va être pour vous montrer, mais en soi, je vous montre pas, parce que c'est pas tout en fait. Parce que c'est la même chose que les Godzilla, sauf qu'ils ne tirent pas des pierres, ils tapent juste avec leurs pattes et leurs bras. Combine, soldier, stack. Axe gobelin, c'est quoi Axe gobelin? Pig. Pig, c'est marrant, ça, on va le faire après. C'est des petits cochons, apparemment. Un peu comme les chats, mais en cochon, ça va être marrant. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur les axes gobelins? Ouf, ils sont pas très beaux ceux-là. Hein. Vache. Ah ouais, ils ont des haches carrément. Ah, des axes. Bah oui, axe en anglais c'est hache, je suis bête. Mais oui, axe gobelin. Ah ouais, c'est ça, stag. C'est des serres. Ok, ils sont chargés à bloc ces serres, attention. J'ai envie de voir cette charge de cerf. Putain. Ce vieux cri qu'ils ont là. Wow, j'ai envie de voir cette charge. Est-ce que ça va manger 4 km? C'est l'abattage là. Clairement, je sais pas trop qui veut gagner. Ah, je les serre. Oh. Oh, les serres, il a mis tout le monde. Les gobelins sont défoncés. C'est des pingouins. Ils sont remplacés par des pingouins. Les serres. Comme vous pouvez entendre, on entend le bruit des pingouins. Donc les serres, en fait, c'est des pingouins. Mais ils sont bien motorisés, parce que regardez, ils bougent bien et tout. Pas comme des pingouins, quoi. Ils ont juste pris comme modèle, je pense, des pingouins. Pour le faire. Tant que je comprends pas pourquoi il y a des survivants, là. Ça, c'est plus voir de gobelins, ils sont encore vivants. What? Ok, j'ai pas compris, c'est pas grave. Je passe, c'est peut-être un bug du jeu, je ne sais pas. En tout cas, c'était bien sympathique. Je m'attendais pas à ça, clairement, que les serres peuvent gagner comme ça. Mais bon, c'est pas mal. Du coup, les pigs. Ah, les pigs. Et les dragonoïdes, on va prendre, je pense. Si on n'a pas déjà pris. Oh là, il y a du monde là. Dragonoid. En Dragonoid, je pense d'être des dragons un peu mécaniques ou des choses comme ça, je pense. On va prendre les Chinese Soldiers. Ouais, non, ça va être cheaté sinon. On va prendre les Dragonoid pour voir ce que ça vaut. Après, on prend les US Soldiers, je sais pas quoi là. En tout cas, ça promet être drôle, je pense. Les pigs, là, je sais pas ce que ça vaut. Clairement, c'est ce que je crois, ça va être épique. Oh, je crois que c'est ça. C'est quoi ça? Non, je m'attendais pas à ça en fait. Ah d'accord, what the fuck? C'est quoi ces machins là? Oh non. Oh, c'est quoi ça? Ah. D'accord, ça n'a rien à voir avec ce que je croyais en fait. Wow, le combat des pigs. Attention, le combat. Oh, le punch de la mort. Oh, regardez le shoot là du mec là. Ah, ils ont 700 de vie les bestiaux là, et eux ils ont combien? 250. Ok, c'est une vraie boucherie. Comme le nom indique, les cochons, boucherie. Ah, ils sont fait tellement déblayer là. On va mettre la bordel. Ah, j'adore cet effet d'explosion qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas un effet d'explosion comme ça. On avait l'explosion, on n'avait pas le fait qu'ils pouvaient aller à 3 km avec l'explosion quoi. Donc c'est vraiment été bien. C'est bien ce qu'ils ont foutu de le rajouter comme ça. Parce qu'avant, on serait qu'on appuyait, il restait stagne et puis il mourait quoi. Mais là, ça va.
c'est sympathique cet effet d'explosion. Du coup, niveau pig, on est là. Donc ça, on l'a déjà vu, les machins là. Ça, du coup, on l'a pas vu, les chinois soldiers là. Du coup, c'était là. Quarles, on a déjà fait. Et les Norlands. Bon, on l'a déjà vu, ces machins là. C'était même bizarre d'ailleurs. Les Scout Troopers, on l'a déjà vu. Les Goblin Rangers. Je crois qu'on l'a déjà vu. Modern Soldier, on l'a déjà vu. Alien. Alors ça, on n'a pas vu par contre. Ça ne dit rien. On va aller voir ça. J'espère que c'est sympathique. Je trouve que c'est les aliens en Alien Predator. Oh, pas Alien Predator, mais c'est Alien, les films Alien quoi. Les Predator, j'ai pas pu les mettre, c'est dommage. Mais du coup, est-ce que c'est ces aliens là ou c'est d'autres choses? Les Chinese Soldier Sword, alors ça serait des soldats à épée. Chinese. Des alors chinois peut-être? Chinois, je crois que c'est chinois. Ah, c'est possible, hein, attendez. Ah ouais, c'est ça, c'est des guerriers chinois. C'est ça, c'est des guerriers chinois. Samouraï, non pas samouraï. Ah ouais, c'est ça, alien. Ouais, c'est quoi leur tête? On dirait des petits iti. Oh, ils sont bizarres. Ah putain. Ils sont forts. Mince, excusez-moi. Oh, ils sont pourris. Bon bah. Oh bah eux aussi ils sont pas très forts. Pas niveau vie, donc c'est à peu près égalité. Voilà, clairement je pense que ils sont un peu victimes. Et regardez, ils meurent pas, c'est bizarre. En fait c'est comme si qu'ils mouraient mais ils bougent plus. Bon bah, vu que je suis dieu, autant faire. Vous voyez, ils ont été un peu mal modélisés en fait. Ils sont mal foutus, regardez. Eux ils crèvent normal, eux ils crèvent pas en fait, ils restent debout, c'est bizarre. Ah bon, en tout cas je pense que ça va être les samouraïs qu'ils ont, enfin les chinois qui ont gagné. Donc c'est sympathique, hein, les chinois ont gagné. Du coup, hop, on va prendre deux. Ça on l'a déjà vu, géant démon, on l'a déjà vu, nécrotique. On l'a déjà vu, les kiryu, c'est ça les dinosaures, les Godzilla mécaniques. Crocodile, alors ça m'intrigue parce que j'ai encore pas vraiment vu d'animaux à part les cerfs et bon, les cochons, plus des cochons humains, mais voilà. Et les ours aussi que j'ai pas encore mis comme mode, je les ai vus, c'était au tout début de la première page. Mandalorian, youtubeur, ah oui. Faut qu'on mette ça après. Je crois que je passe un peu loin, nécrotique. Voilà. On va prendre les Alphamon, les youtubeurs, oui, il y a le mode les guerriers youtubeurs, oui, en effet, donc c'est bien des youtubeurs. C'est un peu bizarre en fait, enfin, c'est juste des humains quoi. Ils sont pas mal modélisés, je trouve, ils sont pas mal faits. Mais par contre, ils sont assez pourris. Comme vous entendez, vous en doutez, ils n'ont pas d'armes, hein. Clairement, ils sont encore à corps. Mais pour l'instant, on verra ça, je pense, dans cet épisode. On va juste attendre que ça se mette. Ce qui était bien avant, on n'avait pas ce. On pouvait bouger en fait. Même si on n'avait pas le chargement d'unité. What the fuck? On pouvait bouger quand même. Pourquoi ça? What? Quoi, regardez, j'accélère ici, j'accélère là, c'est tout ralenti, c'est bizarre, pourtant on n'a pas de lag. Hein. C'est quoi ça en fait? C'est ça les crocodiles? Non, c'est les Alphons. Ah, les crocodiles, c'est ça. Ah, trop bien. Ah, c'est trop bien modélisé en vrai. Ah, trop cool. C'est stylé. Ils ont pas mal de vie. Après, je crois que c'est un peu une radio. Là. C'est pire qu'une radio. C'est en même pas, même pas 30 secondes là. 10 secondes clairement. Là, c'était rapide. C'était rapide. Voilà. Voilà, on a pu voir que le crocodile, c'est pas super. Après, ça peut être bien contre d'autres animaux. Pour voir après par la suite ce qu'on fera comme combat. Après, n'hésitez pas aussi, je le dis jamais, mais n'hésitez pas à me dire des combats si vous avez envie que je fasse des combats. On m'en a déjà proposé, je les ai déjà fait, donc si vous avez envie d'en proposer, n'hésitez pas. Crocodile, Cyclops. Ah, les Cyclops soldiers, on a déjà vu ça je crois, hein. EDF soldier, je sais pas ce que c'est ça. Ça fait penser à EDF, mais je pense pas quand même. Je pense pas trop, mais on peut essayer. EDF soldier, du coup c'est pas mal après ça. Jésus, on a déjà fait. Les fast nécrotiques. Ouais, c'est bizarre ça. Bah, ça serait un peu comme les nécrotiques, mais fast, je vois
Je sais pas. Je sais ce que ça veut dire fast. Après, c'est peut-être pas le même fast. Mais c'était bizarre sur l'image. Clairement, c'était assez bizarre sur l'image que j'avais pu voir. Sur l'image du mod. Donc, on va voir ce que ça vaut. Donc, EDF, soldé, me dites pas que c'est des guerriers EDF. Mais vraiment l'EDF. Je sais pas du tout si c'est ça, mais. Non, je crois. Ah non, ça c'est des faces nécrotiques, je crois. Ils sont bizarres d'ailleurs. Ils changent par rapport aux autres. Ah, ils sont pas pareils, ils font moins peur. Enfin, en soi, ils font plus peur, mais les autres c'est plus dégueulasse en fait. Oh, ça va. Mais c'est à peu près la même chose quand même. Ils ont un truc sur la tête bizarre là. Non, mais ça a rien à voir avec EDF ça. Oh, c'est quoi ça? Mais regardez leurs armes, ils sont trop bien. Ils ont 3 canons au bout. Oh, c'est stylé. Est-ce qu'ils tirent 3 fois? C'est possible. En tout cas, il y a un gros massacre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de tirailleurs comme ça. Waouh, comment ils courent les bestiaux. Ah bah ils se font un peu limite. Ouais, ils se sont fait défoncer. Voilà, bah écoutez, bah, c'était les EDF qui ont gagné. Bon bah EDF a gagné. C'était sympathique. Un peu rapide tout de même. Mais c'est pas bon. Les spaghettis, non les shanguins, on l'a déjà vu. Laser robot, c'est quoi ça? Ah, j'ai jamais vu celui-là. Laser robot, ok. Géant démon, non, crocodile de fou. Jésus, non, on l'a déjà fait, Jésus. Lizardman Club, on l'a déjà vu. Youtubeur, bon, on va faire les youtubeurs, mais je crains que ça va être un combat. Ah ouais, j'ai mis celui-là aussi, du coup, qui est sympathique. Clairement, il y a encore du mode. Il y a beaucoup de modes, hein, vous voyez. C'est assez intéressant. Il y a vraiment énormément de modes comme ça. Je pense qu'il y en a à peu près dans les. Je dirais à peu près une centaine de nouveaux modes qu'ils ont ajoutés. De nouveaux personnages, quoi. À peu près sur les 3 pages. Sûrement qu'ils vont rajouter d'autres par la suite. Mais c'est pas mal. Donc, laser robot, peut-être que c'est des robots qui tirent des lasers. Je ne sais pas. Youtubeurs, bah en fait, je les ai pas vraiment vu combattre. Mais je crois qu'ils combattent à la main. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et je pense que oui. Ah ouais, c'est bien des robots. Un peu bizarre d'ailleurs. Je sais pas s'ils tirent des lasers ou quoi. Mais... Les youtubeurs, vous voyez, c'est juste un simple gars en fait. Enfin, c'est simple gars. Ce grand combat de youtubeurs. Vous voyez de loin, on peut voir que c'est modélisé avec ça en fait. Attaque. Oula, vache. Ah ouais, ils tirent des lasers, regardez. Ouais, il tire des lasers carrément, c'est stylé. Bon, pas de loin, mais tout près. Bon, les youtubeurs se font un peu massacrer. Hein. Adieu les youtubeurs. Extinction youtubeurs. Sur qui là? Oui, il y en a qui sont mieux. C'est les survivants! Les survivants! Ça va assez ou quoi? Pas si mal que ça avec leur laser en fait. Et regardez-moi ce combat. Adieu! Je crois que la nucléaire a fait le taf, hein, clairement. Elle a fait le taf, c'est cool. On va passer à une prochaine dernière bataille, je pense. Stargate, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Allez hop, on va trouver rapidement. Alors, on va prendre. Kaboom, j'ai vu, mais j'ai rendu. Ça, Mondorio Cache, parce que c'est. Alors, Battle Droid, on a vu. Super Battle Droid. Ça me dit rien, ça. Non, ouais, je crois qu'on a déjà fait ça. On peut pour rien sous le dos, on a déjà vu. Spinosaur, on a déjà vu, sur what the fuck. Les super bébés, on a déjà vu. Mercenaires. En prendre ceux-là, les Argoniens Shadow. Je sais plus ce que c'est un Argonien, ça me dit quelque chose, c'est dans un truc, mais je sais plus quoi. Et après, on pourra aussi dans la prochaine vidéo, je pense. Moi, je fais la suite de toute manière des épisodes quasiment. Parce que comme ça, moi, je sais où j'en suis. Et puis, je fais un peu de l'avance. Donc voilà. Alors, les Mandaloriens Casus.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les Argoniens. Ah ouais, d'accord, oui, ok, ouais, d'accord. Cette espèce de lézard dinosaure, un peu bizarre, et eux, c'est quoi? C'est quoi leurs armes, là? What the fuck? Je veux tester ça. Ok, c'est des vulgaires lasers. Bon, après, ils sont pas mal. Parce que vous voyez, ils font quand même du dégât, hein, clairement. Je pense que clairement, ils passeront pas. Ça passera pas, ils vont crever tous. Ah, c'est dommage, c'était sympathique, écoutez. Bien sympathique. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour d'autres épisodes prochainement. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.